médaillé de bronze à 95 au sol, fasse le maximum si l'équipe de France veut gagner. Ludivine en tout cas, Surnon. Ça peut se faire avec Ludivine Surnon à la poutre. Encore que son adversaire n'est pas n'importe qui, elle sera opposée à Yevgenia Kuznetsova. Ludivine Surnon, finaliste à la poutre au championnat du monde 1997, notre championne de France. Tour d'appui. Salto latéral. On la sent bien sur la poutre là. Elle est sur d'elle. Un salto qui est décalé, flip. Voilà. De la précision, aucune. Là, c'était parfait. Qu'un déséquilibre. On la sent concentrée, mais à la fois sereine aussi sur sa poutre. Un pivot. Posé dans la combinaison aussi, et c'est la phase finale. Prise d'élan. Salto avant. Double arrière groupé. Eh bien, elle était bien partie et elle est restée jusqu'au bout. Bravo, Ludivine. Toute petite, me semble-t-il, recherche d'équilibre en milieu d'exercice, mais pratiquement parfait. Ouais, ouais, moi je l'ai senti très bien. Je l'ai senti confiante et on le sent bien chez Ludivine. On le sent bien. Quand elle est bien partie, ça roule. Et si elle connaît un petit problème, elle se. Et là, on voit que ça n'est vraiment pas large. Et là, on voit justement, vous avez vu les orteils qui agrippent la poutre. Elle, elle s'est bien battue, elle s'est accrochée. Petite poutre. Ouais, 10 cm de large. Eh oui. Et le double arrière groupé. Bon. Car cette gymnaste aussi. On voit la sortie au ralenti. Belle élévation. Pulsion impeccable. Alors on va voir ce que nous fait Yevgenia Kuznetsova.